Invité de Télématin, sur France 2, ce mercredi 29 mars 2023, la femme de Bernard Tapie dévoile la toute dernière crise de jalousie que son mari, quelques jours avant son décès. Un acte d'amour. Ce mercredi 29 mars 2023, Dominique Tapie était l'invité de Télématin sur France 2. La veuve du célèbre homme d'affaires disparu en octobre 2021, après des années de combat contre le cancer, assure actuellement la promotion de son ouvrage Bernard, La fureur de vivre, paru la semaine dernière. Un livre dans lequel elle raconte les plus de 50 ans passés aux côtés de celui qui a été ministre, ne cachant rien des bons, comme des mauvais moments. Face à Julia Vignali, elle évoque notamment la grande jalousie de son mari. Fais gaffe à ta gueule. L'épouse de Bernard Tapie assure que ce dernier lui aurait d'ailleurs fait une scène, une semaine seulement avant de rendre son dernier souffle. On avait appelé en urgence son médecin. Et à 2h du matin, évidemment il l'a trouvé dans la maison, puisqu'on avait fait appel à lui. Ça l'a interpellé. Il était quand même un peu shooté. Il l'a apostrophé en lui disant, « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Le pauvre médecin lui a dit, « Bien, vous m'avez appelé, je viens, s'est-ce mémoré ?» Dominique Tapie un peu amusé, dévoilant ce que son mari, très en colère aurait alors répondu au docteur, « Tu en as après ma femme. » Fais gaffe à ta gueule, aurait lancé l'homme de 78 ans dans un dernier accès de jalousie. Ce que la mère de Sophie Tapie a pris, explique-t-elle, comme une preuve d'amour. Un couple tout feu, tout flamme. Il y a quelques semaines, dans les colonnes de Paris Match, Dominique Tapie se confiait déjà sur son couple très fusionnel, mais aussi très volcanique avec Bernard Tapie. Elle n'était d'ailleurs pas moins jalouse que lui. Elle révèle, entre autres, sa surprenante réaction lorsqu'elle a découvert, dans la presse People, les rumeurs d'infidélité de son mari. Il était question d'une romance avec la chanteuse Ophélie Winter, alors qu'ils partageaient tous deux l'affiche du film Homme, Femme. Mode d'emploi, de Claude Lelouch. J'ai découpé dans un journal une photo qui les montrait tous les deux ensemble et je l'ai plantée avec un grand couteau dans la porte de notre chambre, avait-elle affirmé. À lire aussi j'ai planté un couteau dans la porte, Dominique Tapie évoque la rumeur de liaison de son mari Bernard Tapie avec Ophélie Winter.